Alors aujourd'hui, ce sont les immersions, donc immersion des élèves de terminale dans nos formations et également immersion des enseignants. 1850 lycéens de terminale se sont inscrits sur les immersions de nos différents établissements. L'idée étant de leur proposer une demi-journée au sein de nos formations, en classe, en amphi, pour pouvoir se projeter un peu sur les études dans le supérieur et potentiellement les études pour eux l'année prochaine. Les lycéens que l'on reçoit aujourd'hui sont des lycéens de terminale qui viennent des Hauts-de-France, essentiellement de lycées privés, mais aussi de lycées publics. Pour 70 à 80% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils participent à une immersion et qu'ils découvrent l'université. Ils suivront un cours soit en amphithéâtre, soit en salle de TP, soit en salle de cours traditionnelle, dans les conditions réelles d'un cours d'étudiants de première année. Ils sont accueillis à l'entrée de chacun de nos établissements par des étudiants ambassadeurs, c'est-à-dire des étudiants de deuxième ou troisième année chez nous, qui les guident vers les salles de classe, qui répondent à leurs questions pratico-pratiques sur la vie, les études au sein de nos établissements. Pour les enseignants qui se déplaceraient de loin dans la région, nous proposons en parallèle une immersion des enseignants qui leur permet de venir découvrir des thématiques plus diverses, plus transverses. Là, cette année, la thématique qui a été choisie, c'est la gestion du stress. Donc comment prendre soin de nos lycéens quand ils sont en situation de stress. Et l'orientation post-bac peut, pour certains d'entre eux, être source de stress. Ça fait plusieurs années que notre lycée participe aux immersions, donc en novembre avec les élèves de terminale et en février avec les élèves de première. C'est l'intérêt en fait de pouvoir sur une journée proposer en fait aux élèves une diversité de formations, aussi bien donc faculté, école, etc. Un moment pour les terminales où la réflexion est vraiment en pleine effervescence. Donc les enseignants sont invités à faire une immersion sur la gestion du stress de nos élèves. Et c'est aussi intéressant parce que ça nous permet, nous aussi, en tant que adjoint de direction, enseignant, de pouvoir échanger sur des situations d'établissement en fait différentes, mais avec les mêmes problématiques. Cette immersion donc est destinée au terminal, mais nous en organisons une le 8 février prochain pour les élèves de première et de terminale. Les inscriptions seront possibles à compter du 16 décembre, juste avant les vacances de Noël, pour également avoir la chance de participer soit pour la première fois, soit pour la deuxième fois aux immersions de l'Université catholique de Lille.